Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce troisième épisode du Let's Play sur Doom. Alors on s'était arrêté juste ici, on avait donc déclenché le satellite, notre premier objectif, et donc là on repart, on sait pas trop où. On avait cette arme là, c'était le fusil d'assaut avec des grosses munitions, une bonne arme bien bourrine, et puis bah, donc, je suppose qu'on doit retourner en bas, donc on y va, on va voir ça, et on va déglinguer encore du démon. On a un objectif là-bas, c'est l'objectif qui est. Est-ce qu'on peut l'atteindre d'ici? Ouais. Allez, grimpe dessus. D'accord. Ah d'accord, ok, on n'a plus besoin d'aller en haut. Oh, on est au max en armure, ça c'est une bonne nouvelle. On va aller là. Wow. Ah oui c'est vrai, j'avais oublié la tronçonneuse. Qui fait grave plaisir. Ouais, qui est monstre garde possédé, hein. D'accord, on a des monstres avec des boucliers maintenant. On va activer ça. Serveur. Armure, et bah c'est pas grave. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Sécurité de la zone. Accès autorisé. On est bien là, il y a des... Wow, 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 wow. Il est sorti d'où? Ah oui d'accord, la vitre est pétée en fait ici. D'accord. Ah, un autre fusil d'assaut si on l'avait loupé je suppose. Ça me paraît pas mal, il y a un truc ici là, non. Non bon bah. Allez, on va sortir la grosse machine gun. Hop. C'est plutôt efficace. Ah oui c'est vrai. Ah oui c'est vrai qu'on peut changer le mode. Hop. On va garder nos. Ah allez, allez hop. Cela il y avait pas du monde là, on va voir. C'est costaud cela. D'ailleurs on va pas oublier que... Voilà, ça c'est très pratique pour récupérer plein de munitions. Donc on va en profiter. Ah, nouveau module, je sais plus trop ce que c'est que ça. Ah oui, jeton prêteur. Eh bah très bien. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Est-ce qu'on peut activer quelque chose là? Non. On va activer donc un jeton là. Efficacité des pouvoirs. Augmente les effets des pouvoirs. Lorsqu'un pouvoir se dissipe, une explosion se déclenche et inflige des dégâts. Augmente la capacité d'équipement et le temps de recharge. Mais là il en faut deux. Là aussi. Augmente des éléments. Nous arrivons, quoi. On va peut-être faire ça. Hop.
Voilà. Et on va voir les pour les armes, est-ce qu'on en a? Non, on en a pas. Ici on a plein de choses, mais bon. Arme à deux modules. D'accord. Sur la... Non, là on n'a pas encore. On n'a pas encore de deuxième module, ou même de module de cours pour la... Pour la... le fusil d'assaut. Donc on va se contenter de ce qu'on a qui est déjà très puissant. Là c'est pas une idée. Oui, je vais s'énerver tout seul contre la fenêtre. C'est étrange, c'est vide. Là c'est notre objectif. Bah de toute façon on peut pas aller par là. Par la bonne. Oh. C'est un cadeau. Tenez. Il vous donnera la force nécessaire pour poursuivre votre route. Si vous supportez le choc initial. Mais donc Samuel et Hayden nous aident. Ah, c'est pas un mode berserk ça? Ouais, si. Augmente de façon permanente la capacité maximum de santé. Ah! Ou d'armure ou de munitions. Ah, d'accord, ok. Eh bien, bah de santé, hein. C'est souvent short niveau santé. D'accord. Vous venez de vous prendre une dose argent pur. Votre système semble encaissé. Je vais déverrouiller les autres cellules d'énergie du site pour vous. Vega, donnez-lui ce qu'il veut. 61 337 membres de l'UAC sont morts. 81% du complexe a été verrouillé. La présence démoniaque dans l'installation martienne est critique. D'après les archives du Dr Hayden, l'invasion a débuté dans le laboratoire Lazarus. Il semble qu'une onde infernale a été activée, transformant 64% des employés de l'UAC en créatures qui errent dans le complexe. Les autres ont été tués par les démons libérés de leur cellule de détention, par Olivia Pierce. D'accord, okay. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce qui vient d'arriver. Certains de mes employés ont fait preuve d'un peu trop de zèle. Olivia en est la cause. Et vous devrez régler cela en temps voulu. Nos recherches peuvent vous déplaire. Mais sachez ceci. Nous avons exploité les ressources de l'enfer dans l'intérêt de l'humanité. Ce que vous voyez ici est le prix à payer pour cette évolution. Mais cela n'a plus d'importance. Il y a une urgence dans la fonderie. Les régulateurs ont été détruits et la température du cœur est en train de perdre en stabilité. Ils ont envahi le site voisin. Si les turbines ne sont pas relancées, aucun de nous n'y survivra. C'est tout? Ah ouais. Et... Ok, donc en fait, toute cette plateforme là, tous les bâtiments qu'il y a, tout le complexe, servait en fait à récupérer des minéraux, des ressources dans le plan démoniaque. Sauf qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, ils ont ouvert un espèce de portail pour faire le lien entre les deux mondes. Et en plus, enfin, on se doute que Olivia Pierce n'est pas là pour rien. Et en plus, Olivia Pierce a libéré d'autres démons, de ce que j'ai compris. Enfin voilà. Donc elle, c'est un vrai danger. Et là, ce qui vient de se passer, ça me fait un peu penser à Metroid. Je sais pas pourquoi, le côté... vous savez, on arrive à quelque chose, puis d'un coup, ah, à tel endroit, il faut y aller, parce que là, ça va exploser. Enfin, je sais pas, ça m'a fait penser un petit peu le... D'accord, donc. On continue, on a... Garde d'élite. On a pas eu grand chose, hein. On va continuer, du coup. Avec le retour du en ligne du satellite, l'échelle et l'origine de l'attaque sont révélées. Olivia Pierce, responsable scientifique du projet Lazarus, devenu gourou, a activé un portail infernal et libéré des centaines de démons de leurs cellules dans les laboratoires Lazarus. Le carnage qui s'en est suivi a laissé le complexe dans un état de destruction quasi complète et les réacteurs de la fonderie vont lâcher. Samuel Hayden, survivant et dirigeant du complexe martien, vous a offert son aide, mais vous n'avez besoin que de munitions et d'un moyen d'empêcher la fusion des réacteurs avant qu'ils ne détruisent la base.
Donc Aiden, c'est le chef, mais qui nous aide du coup. Je pense qu'il s'est rendu compte que c'était un peu la merde. Et là, on est reparti. Okay. Y'a rien ici. Appel entrant. Après avoir réalisé un diagnostic de l'armure Praetor, il apparaît que je peux accélérer l'amélioration de votre arsenal en mesurant votre efficacité en combat. J'ai ajouté un composant de suivi à l'affichage de votre casque. On va participer au combat offrir désormais des récompenses de points d'amélioration d'armes. Avec turbine, à moins que le niveau de menace démoniaque ne diminue dans la fonderie. Le système de sécurité sont... D'accord, dans le jeu, il y a maintenant une espèce de note de combat qui nous permet d'améliorer plus facilement nos... Waouh, sympa. Là-bas, il y a un truc. Il y en a un qui va tomber, là. Ok. Whoops. Oh my god. Oups. Ah c'est bon. Bonjour. Tac. Donc ça en fait, tous ceux que... les soldats de base là qu'on est en train de taper, ce sont tous des employés de... bah du complexe. Qui ont tous été contaminés, transformés. Ah, il y a un petit truc ici. Alors, moi je veux lunettes tactiques. Modulaire m'active la lunette tactique qui permet de zoomer sur les cibles. Micro-missile. Petite lunette, ça peut être cool avec cette arme là. Ça peut être vénère. Par contre, micro-missile, bah après on a déjà ça avec... on va prendre la lunette pour l'instant. Pauvre robot, à chaque fois ils sont pour une. Yes. Là on a du lourd. Hop, un petit missile, ça fait du bien. Fuite de gaz détectée. C'est pas ça là. Accès refusé. D'accord. Ça c'est quoi, un rapport médico-légal? Et B. Donc là, non. Accès refusé. Bon. Tant pis. Hein. On va revenir en arrière parce que du coup il y avait toute une salle à faire. On n'est pas allé voir là-bas. Bleu uniquement. Clé invalide, ça c'est là qu'on est remonté, bleu uniquement, ok. Donc ça se trouve on n'a pas trop le choix. Wow. Non, hop. Hop, petite tête.
Ah, petite carte jaune encore. Il se passe des choses. Pop, est-ce qu'on peut grimper par là? Wow, je suis dans le feu là, je suis dans le feu. Oh punaise. Wow. Allez, on va lui faire un... Voilà. Wow. Ma surprise celui-là. Attention. On a besoin de munitions. Ah non. Waouh. Celui-là, je m'attendais pas à le voir venir. Je sais pas ce que c'est que ça. Je sais pas. Bon. On l'a vu au moins le gros monstre. On vient de là-bas. Attention, température du cœur en augmentation. On va aller voir par ici. Oh yes! On a un truc pour améliorer la vie ou l'armure. On va encore améliorer la vie, hein, je pense. Ouais. La vie, je pense. Hein. On va se mettre à fond sur la vie. Et puis on verra après au niveau des munitions. On peut en récolter assez facilement grâce à la... Voilà, vous me direz, il y a plus de... J'ai plus de... d'essence. Mais Oh! Oh mon dieu, le stress. Le coup de pression là. Bon, s'il débarque comme ça, va falloir arrêter de au taquet. Là on est au max, là on a des trucs activés. Concentration et engagement. Je sais pas ce que c'est que ça. Hop. Oui, là, il y a un truc à droite là, encore un gros. On va éliminer les autres d'abord. Attention, wow. Hop. Oh là 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 là, c'est quoi ça? Bam. In your face. Il est où? Un nouveau là, non? Là non. Ouais, pour l'instant on avance plutôt bien. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est, ça doit être par là bas mais on va aller voir. Attention, température de cœur en augmentation. Ah yes, ah je suis arrivé là. On va arracher ça. Hop.
Ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent se tuer entre eux, j'ai l'impression. Là, ça fait 2-3 qu'ils prennent des dégâts. Attention, on va découper dans le vif, il est où? Voilà. Bon, on en a deux, on va pouvoir améliorer quelque chose de bien là. Les balles tirées avec le zoom transpercent les cibles. Les balles tirées avec le zoom infligent plus de dégâts à la tête, pardon. Déplacez-vous plus vite avec le zoom de la lunette tactique. Est-ce que là, du coup, réduit le temps de recharge. Ouais, on va prendre. Au manque de la cadence de tir de la rafale. On va prendre ça. Et ici, est-ce qu'on peut améliorer? Non. Et du coup, on va mettre. Ça, déplacez-vous plus vite avec. Voilà. On se déplace plus vite du coup avec le zoom, donc ça va être plus sympa pour viser et tout. Ouais, on se déplace un peu de vitesse quasi normale. Donc c'est bien. Donner de la carte téléchargée. Hop. Hop, cela. Je vais aller trop vite. Ah non, c'est pas une porte vraiment. Wow, ça défouraille je trouve, hein. En ce moment là. On est dans des endroits où il y a beaucoup d'ennemis et tout, c'est un vrai petit plaisir. Bon bah j'ai bien fait de sauter. Waouh. Eh oh. Pas m'avoir comme ça. Votre dévotion à la mission de l'USC sur Mars est la base de notre. Un Niagor. Oh, attention. Ah mince. On va mettre. Votre formulaire démembrement est laissé accidenté l'USC. Veuillez contacter Jessica des ressources humaines pour toute question. Veuillez contacter Jessica des ressources humaines pour plus d'informations. Normal. Hop. Waouh. Il est où? Je crois que là on a un gros problème. Ah, il est où l'autre petit là? Avec vous, nous établissons un ça. D'accord, on vient de là. Ok. Ok, donc là c'est là où on pouvait pas aller tout à l'heure, maintenant on peut y aller. Là il y a un chemin. Qu'est-ce que c'est? Ah d'accord, ok, il y a peut-être quelque chose à faire là, non? On peut pas aller là-haut? Non, par contre... Si tout à l'heure il y avait une porte, on pouvait... Wow. Mon cœur. Ils sont pas bien. Oh.
Avez-vous rempli votre formulaire démembrement et laissé accidenter l'UAC? Il m'a foutu les jetons, celui-là. C'est au-dessus que ça tourne, là. Notre dévotion à la mission de l'UAC sur Mars est la base de notre réussite. Avec vous, nous établirons un nouveau paradigme. Moi, ça me fait flippant, là. Il y a un truc qui se balade au-dessus, là. On doit aller par là-bas. Ouh, crise cardiaque. Ouais, ça peut par là apparemment. Et tout. Hop. Ah, j'ai plus de... Si ? Non, j'ai plus de balles. J'ai plus de carburant. Dommage, j'ai eu. Attendez, lui, on va lui finir son compte là. Voilà. On va récupérer des munitions. On n'est pas plein. Oh. Eh ben. On va augmenter du coup ses armes de ça. Est-ce qu'on peut. Non, on peut pas. Je crois qu'on peut plus là. Il nous faut 3 points pour améliorer. Et l'armée prêteur, on en a pas non plus. Ok, eh bien, j'ai envie de dire qu'on va arrêter là, du coup, cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Là, je trouve que niveau action, ça poutre. Il y a vraiment ce qu'il faut pour se défouler. Il y a des gros monstres qui apparaissent derrière vous, et ça c'est un peu flippant. En plus, on a commencé à améliorer notre vie, on va bientôt pouvoir améliorer les munitions aussi, parce que c'est vrai qu'on est quand même un peu short par moment. Et puis ces pièces là qui sont gigantesques et voilà qui donnent vraiment l'impression d'un qu'il y a un peu de vie. Et en plus on a compris un petit peu ce qui se passait et pourquoi il y a tous ces démons qui débarquaient à cause de Olivia Pierce qui en a libéré. Qu'en plus à côté ils faisaient ils exploraient un petit peu le monde démoniaque pour en récupérer les ressources. Et donc on va s'arrêter là. Dernier combat obligatoire. Désolé, du coup la fin est un petit peu reportée. Ça va être très court. Et voilà. Bon, et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play. Ciao, ciao.